bienvenue dans mon mode de vie. On perd la tête, frère. Yeah. Même dans le mal, toujours on espère. Ouais, frérot, vérifie. Toujours on reste fier. Yeah. Ouais, t'as le calibre, mais t'as pas le respect. L'équipe vient pour. Ah! Salut les amis, c'est Brian Channel 49. Eh ben, on est fucking aux anges aujourd'hui parce que on joue à BeamNG Drive avec un G27, le shifter et les pédales. Déjà, j'ai trouvé BeamNG débile avec une manette. Mais là, qu'est-ce que tu as goûté avec le volant? That's insane. Steelers avait fucking raison. Pis c'est grâce un peu à lui que j'ai un G27. Calisse qui bouge trop, ce style de... Non, mais il est comme... That's nice. Fait que oui, les amis, c'est insane. Vous pouvez pas savoir. Regarde, je vais juste descendre la caméra juste pour vous. Ah ben, je peux pas. Fait que là, aujourd'hui, je pourrais quasiment vous apprendre à conduire manuel dans ce jeu-là. Parce que j'ai joué à d'autres jeux, ok? J'ai joué à Euro Truck, Forza, j'ai joué à Need for Speed. Puis il y en a aucun qui ressemblait à une transmission manuelle réalisme. Le plus proche de la réalisme que j'ai trouvé, c'est BeamNG. Ok? Regarde, je viens de crisser la première. Je vais enlever le park braking. Regardez, vous voyez mon pied? Mon pied est sur le fucking embrayage. Là, je vais lâcher trop vite. Yeah! Puis là, ben, pour repartir la voiture, tu vas laisser sur le nerf. Tu repars. Yeah! Motherfucker! Et ensuite, on crisse la première. Puis, ah putain, mon sub. Puis vous voyez, je lâche un peu la clutch. Et voilà. Le char avance tout seul. Puis là, on donne de l'essence. Regarde. On peut apprendre à conduire manuel dans ce jeu-là. J'ai conduit une voiture manuelle là, dernièrement et j'ai pas calé. Grâce à quoi? BeamNG. Avant, je savais pas là comment. That's insane, man! Je capote! C'est trop réaliste, ce jeu-là. Ok, il n'y a pas de cinquième vitesse. Regardez ça. Je suis sur une vitesse sur l'autoroute à 100 km/h. Et that's insane, man. Puis là, si je veux downshift, that's easy. Et voilà. Là, j'écrase au fond pour avoir une bonne accélération. Même le char il est pas très puissant, mais bref. Oh oh oh, je viens d'accrocher un piton. Ouais, là j'ai shifté comme une grosse merde. Ok, je suis en full manuel, aucune aide. Je suis comme dans la vraie vie, on peut dire. Regardez ça, il y a même un retour de force. C'est insane. Ok, puis quand on arrive pour freiner, faut que tu passes à la clutch. Ben là, j'ai un petit peu trop freiné là. Là, quand la lumière arrive rouge. Tu passes à la clutch. Et voilà. Puis tu mets ton flasher. Là, vu que je suis sur le neutre, je peux lâcher tout. Mais là, je sors recule. Fait que c'est ça le problème. Fait que là, on va dire que la lumière est verte. On repasse à la clutch. On crisse la première. Et voilà. Le volant est trop dur. Il est mal programmé un peu. Il ferait pas ça dans la vraie vie, c'est impossible presque. Regardez-moi ça. Moi c'est de même, j'ai embarqué sur l'autoroute. Comme ça. Le monde... What? Je viens de me colisser en... Parce que le shifter des fois il va mal, je sais pas pourquoi. Et voilà, puis là, quand t'es rendu à une bonne vitesse, ben, on s'entend-tu, tu ralentis, hein, tu roules à 100. Qu'est-ce que j'aurais le goût de vous montrer, ça serait plutôt, une voiture un peu plus, ben, beaucoup plus puissante, parce que, ouais, ça devient plate. Fait que, attends, ça c'est manuel,
Il y a un V12 là-dedans, je crois. Je crois qu'il y a un V12. Mais c'est fucking puissant, cette voiture. That's insane. Regardez ça. Calice de shifter. Ah ouais! Come on! Ok, on essaie de quoi? On essaie de quoi? Oh, le volant devient tout dur! Regardez ça, le volant! Ah, mais il bouge pas, mais d'habitude, là, il bouge en tabarnouche. Et là, j'ai pété les... Oh my god, regardez-moi ça. Vous voyez, faut pas rouler très vite sur l'autoroute, ok? Fait que là, ben, je veux vous montrer quoi faire l'hiver quand t'es sur la clutch. Pis ben, t'es pogné dans une courbe pis t'as une file de char en arrière. Je veux vous montrer ça, ok? Fait que là, les amis, on est sur la fucking map. On va prendre une voiture sport. Une voiture sport, quand même, on va pas prendre du gros caca. Et on va aller prendre l'autoroute. On va se mettre en mode sport, ça va être plutôt nice. Ensuite, et voilà. Puis là, il y a mon sub qui dérange, les gosses. Ah, je suis tellement pas habitué au force speed. Ok, je pensais que mon jeu avait planté. J'étais même arc. Cette voiture, elle a vraiment de la puissance parce que. Regardez-moi ça. Puis là, quand vous conduisez Tug Life, vous faites ça de même. Ben, peinard de même. Et voilà, comme ça. Avec le retour de force. Les écrans, ils tremblent, man. That's fucking insane. Je dis, mon troisième moniteur va tomber, man, avec le volant. Oh, regardez-moi ça, les amis. Bon, ben, rip. Bon, vous la voyez, la petite côte? Ok. Vous la voyez, la côte? Ok. Bon. Là, je vais essayer de redresser. Je vais me mettre sur le parking brake. Je vais remettre mon dossier, mon bain comme du monde. Bon, vous voyez cette putain de côte à la con? Bon, ben, si vous êtes poigné là, ok, puis vous êtes à lumière rouge, ok, vous pèsez sur le. Vous pèsez sur la clutch, vous pèsez sur le break, ok. Pèsez ben du. Parce que mon bar recule, fait que ça fait chier. Fait que là, vous pas. Ah, mon bar recule, man, ça gosse. Fuck, je viens de décaler. Parce que mon bar recule, fait que. Non! Putain de merde, mon bar recule! Ça fait chier, merde. Ok, c'est la première. Et voilà, vous faites ça. Vous collez le gaz au fond. Et voilà. Tout est réglé. Fait que pour monter une côte, tu pèses sur la clutch, collez le gaz au fond, tu lances la clutch. Les roues vont chirer, mais au moins ta côte elle va monter. Puis il y a un truc que j'avais checké sur YouTube. Attends, on va terminer la côte, ok. Fait qu'on se revient. J'espère sur BeamNG, ils ont intégré ça. Je vais vous montrer la vidéo par la suite. C'est un pick-up par exemple, c'est un form, c'est de la merde là, mais bon, regardez-moi ça. Attends, j'essaie de pas me crash. Ah! No! Ok, bon. On va se mettre en mode ralenti, ok? Ok. Bon, on va essayer ça, ok? Regardez-moi ça. Je viens de crisser leur culon. Les pistons vont tout ça. Oh my god. Attends.
Bon ben ça marche pas comme que je pensais, hein. Fuck. Ok. On va respawn. Cette map est vraiment gourmande. Ok. Ah merde. Bon. Ok. Nah. Ben je vais vous montrer la vidéo qu'est-ce que c'est censé faire. Mais ouais, c'est ça, fait que ouais, je sais pas, ça ne fonctionne pas sur BMG, c'est vraiment plate. Ou c'est peut-être moi qui ai juste pas la bonne voiture. Yeah. Puis, il y a un autre truc que je veux vous montrer, mais je vous conseille de vraiment pas faire ça avec votre voiture. C'est. Quelqu'un m'a montré ça, ok. C'est. Tu chiffres pas de clutch, ok. Mais mon cher Emmanuel, regardez là. Je passe à la clutch, change de vitesse. Puis si je change à rien. Vous entendez le bruit dégueulasse? Mais ça dommage ma clutch. Mais il y a un truc, j'ai réussi une couple de fois. Faut que t'aies le bon RPM. Ça marche pas tout le temps. Je vous dis, ça marche pas tout le temps. Faut que tu sois bon pour faire ça. Je vous garantis pas que je vais réussir dans cette vidéo. Ouais. Mais je vous garantis rien parce que... Oh, ça pique ma barbe. Oui, ça pique. Je vais m'écrire sur une note comme un innocent, ok. Fuck! Ça dépend les voitures. C'est ça qui gosse. Ça dépend les voitures que tu prends, mais j'ai vraiment réussi, je vous le jure. Le monde qui croit que c'est pas vrai, mais c'est vrai, là. On peut faire ça. Je crois qu'on va prendre cette bagnole, là. Ok, nice. Regardez ça. Fuck. Faut pas entendre le bruit. Fuck. Tu fais chier, merde. Ça, c'est les routes au Québec. Tabarnak. What? Mais il faut être bon pour faire ça. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez fucking vu, ok? Je vous remets la vidéo. J'ai pas pesé sa clutch. No shit, man. Regardez ça. Regardez, ok? On va respawn, ok? Regardez ça. Ok, lui il capote. Regardez là. Ça marche vraiment pas à tous les coups, sérieusement là. Essaye d'augmenter mon RPM un peu. Fuck, j'ai réussi, ok. Yep. Pas de clutch. Là, c'est sûr que ça fait un gros bruit dégueulasse. Mais, yeah. Fait qu'on allait faire du rock crawling. Mais pas vraiment du rock crawling. On va essayer d'aller dans. Plutôt dans les montagnes. Essayer de faire du jeep un petit peu. Cette map est vraiment grande. C'est American World. Vous pouvez la télécharger direct sur le site de BMNG. Déjà là, cette map est vraiment volumineuse, elle me le vole déjà 9 gigs, non, je dirais 8 gigs de RAM. Cette map est gourmande, yeah. Regardez-moi ça, cette map est juste... Ah, regardez-moi ça. Et voilà. J'ai déjà fait une vidéo de cet endroit-là. Puis faire du fucking rock crawling
avec un volant, c'est épique, mon gars, là. Oh. Ok, on va prendre un Jeep. On va prendre le Crawler. Il est juste magnifique, ce Jeep. C'est pas le... C'est un mod. C'est pas le vrai... Le vrai Jeep de BeamNG. Mais c'est le même Jeep, là. Mais bref. C'est juste insane, ok? On ressent vraiment le retour de force dans le volant. Regardez-moi ça. C'est sûr que la caméra va trembler. Oh, fuck, mon shifter! Il arrête pas de bouger, mon shifter. Fuck. Ta gueule. Il arrête pas de bouger, mon shifter. C'est ça qui gosse. Ça me prendrait genre un établi comme Steelia. Pas un établi, mais un truc, mais j'ai pas la place pour. C'est cher un peu. Ok, nice. Wow. Avec le retour de force, c'est pas comme... Non! Fucking ben recule. Ta gueule! Putain de merde! C'est vraiment dur avec le retour de force. Je vous fucking niaise pas là. On va lâcher l'accélérateur un petit peu. Calice, j'accroche les. Calice, j'accroche les. Ça là. Putain de merde, mon écran tremble en maudit. Oh my god. That's insane. M'a quitté la première. Oh my god. Wow. Oh yeah, nice. Avec les rushs, merde. Oh my god. No. Tabarnak, tu trembles. That's crazy! Whoa. Oh my god! Whoa! Oh my god! J'ai brisé le drive shaft! Oh my god! That's it! Big man, faut que je fasse une vidéo que pour le wall crawling. Oh my god, ben c'est voilà qui termine cette vidéo en beauté. C'est juste insane. Vous comprenez pas, si vous jouez à BeamNG, il vous faut vraiment, mais vraiment un volant, c'est obligé. C'est tellement pas la même expérience de jeu. Je suis bandé en tabarnak. Expression. Fait que bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, commentez la vidéo, comment tu l'as trouvé, allez liker ma page Facebook, Instagram et Twitter. Et également, viens me suivre sur Twitch pour n'en rien manquer. Fait que à la prochaine vidéo les amis, bye bye!
keep my head down.